Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour avril 2024. Alors, j'y pour avril 2024, mais finalement, vous savez que moi, je ne m'arrête pas au mois. Ce sont des énergies, c'est un message qui passe pour les Scorpions. Bien sûr que ça ne parlera pas à tous les Scorpions de cette terre, les amis. Moi, je reçois un message. Vous prenez si ça résonne pour vous, si ça vous confirme des choses, si ça vous apporte une vision peut-être des choses différentes par rapport à votre situation et que ça vous aide à avancer sur votre chemin. Je vous invite, si le message ne vous parle pas, eh bien, à aller voir chez mes collègues qui font aussi les signes astrologiques. Il y aura peut-être un message là-bas pour vous s'il n'y en a pas ici chez moi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin, si vous avez voilà, l'impression d'être appelé. N'hésitez pas à le faire. Ici, c'est un message que l'on reçoit. Moi, j'aime bien faire un message tous les mois pour les signes astrologiques, mais ce n'est pas forcément pour le mois d'avril. C'est un message dans les énergies, d'accord ? Ça peut se poursuivre dans les mois qui suivent le mois d'avril. Donc, c'est vraiment à vous de voir si le message résonne, s'il se passe quelque chose quand vous l'écoutez. Ok, c'est que probablement il est pour vous. S'il ne se passe rien, les amis, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, laissez le message pour les autres, pour les personnes concernées. Allez, les Scorpions, on va pouvoir débuter. Comme d'habitude, vous avez dans la barre de description les jeux que j'utilise, dans l'ordre d'utilisation. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je n'ai toujours pas repris les consultations privées, les amis. Je ne sais pas si je les reprendrai. C'est quelque chose qui est en suspens pour le moment. Voilà. Allez, c'est parti. On va débuter tout de suite pour nos amis Scorpions. Allez, c'est parti. Quel message souhaitez-vous nous communiquer pour les Scorpions? Le 8 de coupe. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte qui souhaite sortir? Waouh! Ah oui, le monde. Ok. Eh bien, les amis, et le 10 de denier. Ok, bon. Alors, les Scorpions. On a l'énergie du 8 de coupe qui est sortie en premier. Il y a toujours dans le 8 de coupe cette notion, là on voit cet homme hein, comme ça qui quitte quelque chose pour aller vers un ailleurs. Donc, il tourne le dos à quelque chose et il va vers un ailleurs. Il y a ici une notion... de nouveaux départs hein, derrière tout ça. Il y a quelque chose comme ça qui nous emmène vers autre chose. Moi, j'ai l'impression, les Scorpions, quand même avec le 8 de coupe, qui est une carte très liée à l'émotionnel, hein, très clairement, il y a cette notion que vous sentez, voilà, c'est un ressenti, d'accord, qu'il y a quelque chose à vivre, qu'il y a une expérience, une aventure, quelque chose à tenter qui vous attend. C'est comme s'il y avait une aspiration, j'aspire à, je sens que je suis appelée vers cette chose-là, je sens que j'ai envie d'y aller, mais il y a encore quand même quelques petites, comment dire, comme des petits freins, tu vois. J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui peut être... dans la matière, en tout cas, encore un peu compliqué à réaliser, à obtenir, ou alors à s'engager sur cette voie-là. Avec ce 8 de coupe, moi, je ressens le processus, c'est-à-dire qu'on est en... comment on pourrait dire ça? On est en cours, voilà, on va dire ça comme ça, on est en cours... on est en préparation, voilà, on va plutôt dire ça comme ça. On est en préparation, les amis, pour ce nouveau départ, pour cette chose qui t'attend. Il y a quand même ici de nouveaux horizons, hein, très clairement. On ressent que là, voilà, il y a de nouveaux horizons à la clé. On va vers de nouveaux horizons. Ok. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Très clairement, là, il y a un truc qui vous tient à cœur. C'est un projet. Alors moi, je serais sur un projet de vie, les amis. Projet de vie, accomplissement personnel, quelque chose qui peut être aussi très lié à la famille.
Ça peut être aussi par rapport à une entreprise, à une activité en particulier. En tout cas, il y a une idée de construction ici, de bâtir quelque chose, de construire quelque chose, de créer quelque chose, mais comme si on le créait de toutes pièces, tu vois ce que je veux dire? Donc, on commence petit et puis on va le voir grandir, évoluer, voilà, prendre forme, prendre vie. Il y a cette notion-là. On a quand même le monde hein, qui nous parle d'une mise au monde, hein, très clairement d'une naissance. Donc, les amis, moi je serais sur une idée pour vous les scorpions de mise au monde, de naissance de quelque chose. Et cette chose-là, c'est comme si on a attendu. En fait, il y a une notion d'attente que moi je ressens. Mais comment vous dire? C'est un peu dans l'idée d'attente, mais. J'ai l'impression qu'il y a une question de temps quelque part. Je sais pas, on va aller voir plus loin, mais une question de temps, comme si on se disait, bon bah là je peux plus trop attendre, quoi, il faut que j'y aille. Parce que le temps passe, parce que je vois que ça défile, parce que. Donc j'en sais rien, tout dépend de votre. Voilà, de cette chose auquel vous allez en fait, sur cette voie que vous avez envie de vous engager. Mais on voit cette notion comme si on avait remis à plus tard, remis à plus tard, remis à plus tard, attendu, attendu, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et en fait là, il y a un peu cette pression quelque part qui pour moi, j'ai l'impression, vous met quand même un poids sur les épaules. Pardon, un poids sur les épaules, on ressent peut-être un peu de nervosité, un peu de pression, un peu d'angoisse. Ce qui est logique, hein, c'est très, très lié à ce 8 de coupe quelque part, hein. Il y a quand même derrière de l'inquiétude, de l'angoisse. C'est pas quelque chose où on va vers cette chose-là hyper sereinement, tu vois. On n'y va pas hyper sereinement. Il y a probablement quand même de l'inquiétude derrière. Et pour autant, sans l'expliquer, parce que le 8 de coupe, justement. Lui, si tu veux, il y va parce que il ressent que. Et à l'extérieur, d'autres pourraient lui dire, en tout cas lui faire des remontrances ou lui dire, ah mais pourquoi tu quittes ça? Pourquoi tu veux partir vers un ailleurs? Parce que moi je trouve que tu étais bien comme ça, comme si tu crois pas que là t'es en train de prendre un risque. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a cette notion pour moi ici effectivement de prise de risque quelque part, de saut de la foi. Et il se pourrait que l'entourage ne comprenne pas forcément votre choix, votre position. Ou alors à l'inverse, vous avez la pression peut-être de la société, la pression des amis, de la famille, j'en sais rien. Enfin des amis, je suis pas sûre, mais de la famille ou en tout cas de votre entourage, je ne sais pas, dans l'entourage proche, il y a une sorte de pression comme ça ou une pression de la société hein, où on se dit tic-tac, tu vois, c'est comme si on entendait l'horloge, tu vois, tic-tac, tic-tac. Ça passe, ça passe, ça passe. Et on se sent peut-être de plus en plus sous pression, oppressé finalement. Et on se dit, va falloir que j'y aille. Va falloir que j'ose. C'est maintenant ou jamais. Il faut que je saute le pas. Ouais. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis. On se sent appelé vers un ailleurs pour construire quelque chose qui sera sur du long terme. Il y a aussi un peu cette notion peut-être de pression parce qu'on sait que si on s'engage sur cette voie-là, on ne pourra pas faire marche arrière. Si on s'engage sur cette voie-là, c'est un engagement qui impose probablement de la responsabilité. On doit après assumer. On n'a pas envie d'avoir de regrets, tu vois. Il y a un peu cette idée-là, quoi. Je me lance dans ce projet, je me lance sur cette voie-là. Mon Dieu, pourvu que j'ai pas de regrets, pourvu que je prenne le bon chemin, pourvu que ce soit vraiment fait pour moi. Donc, tu vois, tu peux te mettre plein de pression comme ça, d'angoisse et d'inquiétude par rapport à cette réalisation, à cette mise au monde. Vais-je être capable? Vais-je être à la hauteur? Est-ce que je vais le regretter? Est-ce que. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça quand même. Hein. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit?
Mais moi, mon ressenti, je te le dis, enfin, en même temps, c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Le monde, 10 de deniers, il n'y a pas de regret, les amis. Il n'y a pas de regret. Il n'y aura pas de regret. Dans ce lancement, je me lance, je m'engage sur cette voie-là. C'est une prise de risque. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je te dis pas que c'est une vraie... Enfin, comment te dire ça? Toi, à l'heure actuelle, tu peux le voir comme une prise de risque, comme sortir de ta zone de confort. Surtout que tu peux avoir un entourage ou une pression sociétale qui te dit que c'est un risque que tu prends. Tu vois, il peut y avoir ça, ou alors c'est un ressenti complètement personnel. J'ai l'impression que si je m'engage sur cette voie-là, je ne vais pas me sentir complètement en sécurité. Je vais me sentir peut-être instable. Je ne vais pas être à mon aise parce que ça me fait sortir de ma zone de confort. Pour autant, pour qui, pourquoi je m'y sens appelée. C'est ça les amis, c'est pour ça qu'il faut bien que ça vous parle. Vous vous sentez appelée à, mais en fait il y a une espèce de contradiction. Là on est en contradiction les scorpions. C'est-à-dire que je me sens appelée à, je ne peux pas expliquer pourquoi le 8 de coupe c'est ça. C'est-à-dire que lui, il se sent appelé, il doit partir, il doit quitter, il doit prendre une autre voie, un autre chemin. Mais il ne sait pas l'expliquer. Il ne sait pas l'expliquer et certains peuvent des fois ne pas comprendre pourquoi ils cherchent à se compliquer la vie, comme diraient certains. Pourquoi tu cherches à te compliquer la vie alors que t'as déjà, c'est déjà pas mal ce que tu as. Oui mais non, là c'est vraiment, écoute, moi je sens que ça m'appelle, que je veux aller, que je veux m'engager dans cette voie-là. Ne me pose pas 1000 questions puisque moi-même je ne saurais pas te répondre. Il y a une part de mystère les amis derrière tout ça. Il y a une part de mystère. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer pour le moment. Mais tu te sens poussé à y aller. Mais en contradiction, il y a des peurs. Il y a des peurs qui sont liées à ce projet-là, à cette voie-là que tu as envie de suivre. Et oui, parce que pour moi ici, les scorpions, vous êtes face à un défi de vie. Vous êtes en train de rentrer dans le processus, comment on pourrait dire ça? Vous êtes en train, vous allez rentrer dans l'expérimentation d'un de vos plus gros défis de vie. Vous savez, on a tous des défis de vie, et notamment quand on fait la numérologie. On a des petits défis, on appelle ça des défis mineurs, et on a des défis majeurs. On en a tous, certains en ont plus que d'autres. Et on calcule ça avec date de naissance et ainsi de suite. C'est de la numérologie. Et oui, effectivement. Et c'est très intéressant la numérologie, hein, vraiment. Moi, je me souviens que j'avais pris un bouquin, j'avais tout calculé moi-même. Pff, ça m'avait pris un temps fou. Mais c'est vrai qu'en plus, on trouve des dates clés. Et effectivement, souvent à ces dates clés, par exemple, j'en sais rien moi, bah, ça pourrait être 2024 dans ce cas-ci. Il y a un événement majeur qui doit se passer, un défi majeur qui doit se passer cette année-là. En tout cas, là, les amis, pour certains scorpions, on y est, très clairement. C'est un défi de vie majeur et souvent, bah oui, on n'appelle pas ça un défi pour rien. Derrière se cache une peur, derrière se cache une insécurité, derrière se cache quelque part cette notion de se dépasser. C'est un défi de vie que tu dois relever. Pour avancer, pour cheminer, pour t'accomplir. Et derrière cette peur se cache la réalisation, l'accomplissement, la mise au monde, la victoire finalement de ce défi. Pour moi, on a de grandes lignes qui sont écrites. Donc, voilà, bref, j'en sais rien. Des grandes lignes comme ça dans notre vie qui sont écrites, mais bien évidemment qu'on a notre libre arbitre, donc on les mène comme on veut finalement, on prend le chemin que l'on veut, peu importe, mais on est souvent conduit vers ces choses-là, tu vois. On a tous des aspirations différentes, on a tous des défis de vie plus ou moins différents. Et là pour moi les amis, vous êtes sur cette lancée de grandes lignes. Vous êtes en train de prendre le chemin de cette grande ligne qui est écrite sur votre chemin de vie, dans votre destinée. Vous êtes en voie de le réaliser. Vous en prenez le chemin en tout cas. Vraiment.
Mais j'ai envie de te dire, c'est génial, c'est génial. Oui, c'est un défi. Oui, ça peut te pousser dans tes retranchements. Oui, ça peut te pousser à te dépasser, à te surpasser. Mais ce qui t'attend au bout de ce défi, c'est incroyable. C'est un accomplissement, c'est une réalisation. C'est une avancée, c'est une élévation, une ascension. Donc ce n'est pas rien. Parce que moi, je sens que cette chose-là, si, en tout cas, tu le repousses, tu le repousses, tu le repousses jusqu'à ne jamais y aller, ça pourrait être un manque dans ta vie. Une sensation, un sentiment qu'il te manque quelque chose que tu n'as pas accompli. Tu vois ce que je veux dire? Et là, les amis, on est sur quelque chose d'extrêmement bénéfique. Il n'y a pas de doute. Moi, j'ai l'impression que tu peux avoir de grosses inquiétudes par rapport à ça. T'as peur, quoi. T'as peur peut-être de te planter, que ça ne fonctionne pas, j'en sais rien, moi, que tu te fasses des films, que cette chose-là n'est pas faite pour toi. Mais attends, si tu y penses, si c'est quelque chose qui est récurrent, que tu sais, en plus, tu peux avoir plein de synchronicités, t'en entends souvent parler, tu rencontres souvent des gens qui te parlent de ça, tu te dis, mais c'est quand même fou. Ce sont des synchronicités. Pour moi, là, les amis, vous avez beaucoup de messages en ce moment. Vraiment, ou alors c'est des choses auxquelles avant tu ne faisais pas du tout attention et maintenant tu y fais attention, ça te touche, ça te parle, ça te remet en question, tu te dis ah oui moi aussi j'aspire à ça m'attire, pour qui, pourquoi, pas besoin de chercher la raison, c'est quelque chose qui est fait pour toi. Et là tu vas le construire, tu vas le bâtir, 10 de denier, c'est une réussite, c'est un succès, c'est une victoire, on arrive au terme. Donc en réalité, les amis, ça fait un petit moment que vous êtes sur ce 8 de coupe, hein, sur le chemin de réorganisation de ta vie. Pour moi, il y a des choses qui t'ont quitté déjà. Tu as quitté, tu as tourné le dos à des choses. Ça peut être plein de choses, hein, les amis. Hein. C'est à un moment donné, tu as quitté, tu as tourné le dos à des choses dans ta vie. Ça peut être à des personnes, à un travail. Ça peut être à des comportements. Et en fait, ta vie, elle est en train d'être complètement réorganisée. Mais j'ai l'impression que ça se fait doucement, étape par étape, parce que tu as besoin de ce temps. Tu as besoin de ce temps pour te réadapter. Parce que tu peux avoir du mal, ça peut être une difficulté chez toi de sortir de ta zone de confort, en fait. C'est quelque chose qui est très dur d'aller vers l'inconnu. Toi, tu aimes bien te sentir en sécurité, à ton aise avec ce que tu connais. Voilà, t'es à l'aise quand tu connais. Tu vois, t'es à l'aise, tu te sens bien, voilà, tu te sens vraiment bien quand tu connais, quand tu sais ce que t'as à faire, quand t'as l'habitude, quand tu connais un tel et un tel. Et dès qu'il y a un petit peu l'effet inconnu, ah, je ne connais pas, je ne sais pas, là, tu commences un petit peu à avoir des inquiétudes, à pas te sentir très à l'aise, à peut-être perdre tes moyens, alors qu'en réalité, mais tu es doué pour. Tu es fait pour. Donc là, moi, on me parle d'un inconnu qui arrive, la naissance, la mise au monde de quelque chose que tu as créé, c'est-à-dire que cette chose-là, tu l'as appelée à toi. Ça fait possiblement un moment que tu l'appelles, mais, ou pas d'ailleurs, attention, ça dépend des personnes, mais là, on te dit, ça arrive. C'est-à-dire que là, la rencontre est en train, petit à petit, de se rapprocher. Il y a un événement proche quand même, les amis, ici. Hein. Il y a un événement proche. On est sur un changement de vie dans le sens où, pour moi, il y a ta vie d'avant et ta vie là qui est en train de se construire. On a quand même. En fait, moi, j'ai envie de te dire, c'est comme une. J'allais dire une promotion de vie. C'est un peu bizarre de dire ça, mais. Peu importe ta situation, là, les scorpions, vous n'allez pas tous avoir la même chose qui va naître. D'accord? On est bien d'accord là-dessus. Là, faut que ça te parle. Faut déjà que quand je te dis ça, tu sais ce qui va naître. Tu te dis, ah bah oui, je sais, c'est ça qui est en train de venir. Parce que ça m'attire, parce que c'est en répétition dans ma vie. Pour moi, tu as souvent des signes et des symboles de cette chose-là. Tu rencontres, tu entends, tu vois. Pas de hasard, les amis, pas de hasard. Tu l'as attiré à toi parce que ça fait partie de ta destinée, de ton chemin de vie. C'est une expérience, une aventure que tu dois vivre. Si tu ne le vis pas, tu pourrais ressentir une espèce de manque, tu vois, une sorte de manque.
Donc là, tu es clairement en chemin pour. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, ça fait déjà un moment que tu es en chemin. Voilà, très clairement. Mais ça pouvait te paraître très, très flou, tu vois, très brouillon. Tu ne pouvais pas vraiment t'en rendre compte, j'ai l'impression, il y a quelques années. Parce que ça fait pour moi déjà, allez, peut-être 3-4 ans que ça a commencé en réalité, même plus probablement pour certains. Mais si tu veux, ça peut être assez long dans le processus. Bah oui, c'est pas évident de quitter des choses, hein. Là, pour lui, ça semble simple, hein. Il tourne le dos comme ça. Mais c'est pas si simple. Il faut quand même que la vie orchestre les choses, organise les choses pour qu'on puisse quitter et puis partir vers de nouvelles aventures. Donc ça a peut-être pris un peu de temps, comme quitter un travail. On ne quitte pas un travail, voilà, du jour au lendemain. Enfin, quoique certains peut-être que oui, mais. Normalement, dans les faits, avec la paperasse, les machins, on fait pas ça comme ça. Et puis, il y a toute une phase de réflexion. Et moi, je pense que tu as été énormément dans la réflexion. Énormément dans la réflexion, ami Scorpion. Et là, vraiment, tu sors de l'état de réflexion parce que le monde, on est quand même, et Denier, on est sur de la matérialisation. On n'est plus dans de l'émotionnel, là. Tu as longtemps été dans de l'émotionnel, c'est-à-dire que tu as longtemps été dans la réflexion, l'émotionnel, la projection, mais rien de palpable et de concret. Là, tu rentres dans la matière, dans le palpable, dans le concret. Allez, les scorpions. Mais je répète, c'est quelque chose. Qui pour toi te demande de sortir de ta zone de confort. Et c'est un défi puisque c'est quelque chose que tu dois relever. Tu le vois comme un défi, d'accord? Parce que pour toi, tu le sais très bien, il y a des peurs qui sont liées à ce projet, à cette voie dans laquelle tu veux, sur laquelle tu veux t'engager. Ça peut être des peurs, attention, hein, des peurs quelque part qui peuvent être irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles sont. Elles ont pris des proportions énormes par rapport à la réalité qui t'attend. Parce que, on va aller voir plus loin, mais pour moi, ce qui t'attend finalement, quand tu vas vraiment te lancer dans l'aventure, c'est que du positif en fait. Enfin, c'est hyper bénéfique. C'est hyper bénéfique. Parce que tu es fait pour ça. Ça t'attendait quelque part, tu vois. Et pourtant, tu as vraiment une grande, grande peur. Et en fait, c'est un peu un défi de la vie, c'est-à-dire que la vie te met au défi de dépasser, de surmonter tes angoisses, tes peurs, tes inquiétudes, parce que au-delà de tes peurs, tes inquiétudes, finalement, il y a l'épanouissement, il y a la clé de la réalisation. Donc c'est marrant parce que c'est quelque chose qui te fait extrêmement peur et pourtant tu es fait pour. Enfin, cette chose, c'est comme si tu étais lié à cette chose, donc je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un lien, tu vois. Et ça va être un vrai bonheur, parce que le 10 de denier, on est quand même sur un épanouissement. Et on peut être sur un épanouissement qui est très familial. Un épanouissement, je dirais, de vie personnelle. D'accord? Deux d'épée, ouais. L'hésitation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est je veux y aller, je me lance, je suis prête à le faire, je suis prêt, pardon, à le faire, prêt, prête. Mais c'est comme si, imagine, t'es dans une voiture. Tu veux t'engager parce que tu sens qu'il faut que tu ailles dans cette direction-là. Tu es prêt à y aller, mais au moment où tu commences à y aller, là, tu appuies sur le frein et tu piles. Il y a vraiment cette notion. Hop, j'y vais pas. Je sais pas. Je freine. Ah non, j'ai trop peur. Attends. Pff, attends, j'ai envie de faire marche arrière. J'hésite parce que si j'y vais, je sais qu'après, je peux plus faire marche arrière en fait. Donc tu vois, il y a un espèce de. Tu te mets une pression énorme. Tu te mets une pression énorme par rapport à cette chose-là. Moi, j'ai l'impression vraiment que ouais, ça te colle des sueurs froides, tu vois. Bon là j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire vraiment, tu te sens. C'est très bizarre. En fait, il y a vraiment une grosse contradiction à l'intérieur de toi que tu dois dépasser. Et c'est ça le défi en fait. C'est-à-dire que vraiment ta réalisation personnelle, où vraiment tu vas faire un bond dans ta vie, c'est vraiment la chenille qui devient papillon. Moi j'ai vraiment cette image de grosse étape, tu vois. Donc si la chenille, imagine t'es la chenille là, à l'heure actuelle t'es la chenille.
Imagine que la chenille, elle n'arrive pas à se libérer de la peur de l'inconnu et du changement. Bah, la chenille, dans ce cas-là, elle ne connaîtrait jamais le bonheur de voler parce que, à cause de sa peur, elle n'ose pas devenir papillon. Tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose pour toi. Il ne faut pas que ta peur, parce que là on est vraiment sur ça, les amis scorpions, votre peur vous paralyse, vous tétanise, vous bloque, vous fige en fait. Il ne faut pas que vos peurs vous empêchent de connaître ce bonheur. On en est là, hein. Tu as une peur qui t'empêche à l'heure actuelle de connaître un bonheur. Quel est ce bonheur? Quelle est cette chose auquel tu aspires, au plus profond de ton cœur, que tu désires vraiment, mais en même temps, ce désir est, te tétanise, te fait peur, t'inquiète. Tu vois, c'est étrange, hein, mais c'est étrange, mais c'est le message. C'est-à-dire que c'est un désir fou, mais en même temps, quand tu y penses, tu peux ressentir de la joie, du bonheur, t'en as très envie. Et 2 secondes après, ressentir une peur, une tétanie, tu vois, un sentiment négatif, un sentiment de vraiment qui t'inquiète. Alors du coup, t'y vas pas. Parce que la peur, bien souvent, elle l'emporte et elle nous empêche d'oser. On est sur ça, les amis scorpions. Et très clairement, le message, et ton plus gros défi, c'est de dépasser cette inquiétude et cette peur. De cet inconnu finalement, de cette nouvelle vie. Parce que tu ne peux pas rester chenille là. Là, moi je pense que tu es chenille, et là, clairement, tu n'en peux plus. Hein. 8 de coupe, on n'en peut plus. Hein. 8 de coupe, là, on est à la limite du burn-out, de l'épuisement. On veut autre chose, d'accord? En tout cas pour certains. On peut être en tout cas dans une forme d'émotionnel pas très stable, parce que on sent qu'il nous manque quelque chose, qu'on veut passer à l'étape supérieure, tu vois. Ici, vraiment, c'est une notion que pour moi, tu passes à l'étape supérieure. Il y a une idée de promotion, pardon. Comme chenille qui devient papillon, donc ça peut être, j'en sais rien, en fait, tellement de choses. Les amis, je vous donne quand même quelques exemples. Par exemple, tu quittes le salariat pour devenir ton propre patron, tu quittes le salariat pour te lancer en freelance, tu quittes un partenaire parce que, bah, voilà, pour vivre une autre histoire d'amour, j'en sais rien, mais tu vois, il y a quelque chose comme ça, ou ça peut être aussi tu passes de femme à mère. D'homme, de jeune homme à père, tu vois. Donc, bah ouais, là, tu montes d'un cran quand même. Je sais pas comment expliquer ça, mais. Ouais, tu changes de statut. C'est un peu bizarre de dire ça. Mais bon, écoutez, les amis, remettez ça par rapport à votre situation. En gros, de chenille, tu deviens papillon. Mais il y a une peur. Il y a une peur. Tu vas libérer cette peur. Tu vas la libérer, tu en es tout à fait capable. Et surtout, mais regarde, t'as la reine de bâton, affirmation. Oui, tu en es tout à fait capable. Derrière cette peur se cache une vérité, une révélation. Une révélation. Il est temps de retrouver un juste équilibre, un équilibre émotionnel et un équilibre dans ta vie. Parce que moi, j'ai bien l'impression que dans un domaine de ta vie, quelque chose n'est pas comblé. Quelque part. Et plus tard, parce qu'attention, là, à l'heure d'aujourd'hui encore, bon, ça peut ne pas trop te créer de manque, mais plus tard, ça peut te créer un réel manque. Et tu pourrais avoir des regrets par rapport à ça. Parce qu'il y a une question de timing, j'ai l'impression, chez vous. Une question de temps. Tu sais, comme les dates de péremption, tu vois. Il y a un peu une notion comme ça. Alors après, est-ce que c'est une pression sociétale où on te dit, bah, un jour tu seras trop vieux pour, un jour ça sera plus l'heure pour, il sera plus temps, t'auras laissé passer ta chance. Est-ce que c'est une pression familiale? Est-ce que c'est une pression par rapport à tes propres croyances limitantes aussi? Ah bah ça peut être ça. Ou est-ce que vraiment il y a une question de temps? Parce que des fois, vous savez, les amis, il y a une question vraiment de temps.
Il y a un truc comme ça. Et du coup, ça peut te coller vraiment une pression de fou en te disant, mais c'est maintenant ou jamais, il faut que j'y aille, c'est maintenant ou jamais, il faut que je me lance. Mais attention, parce que si tu te mets une pression de fou et de malade, c'est pas le but. C'est pas le but de vivre cette aventure avec la boule au ventre. Non, c'est pas du tout ce qui est annoncé ici, hein. Donc moi, je te dirais que tu rentres en phase de préparation à cet événement, à cette rencontre, à cette naissance. Voilà. Parce qu'il y a la naissance de quelque chose. Tu vois, je te prends un exemple, mais imaginons... parce que c'est quelque chose qui t'inquiète. En fait, tu t'inquiètes de cette naissance dans le sens où j'ai peur qu'il y ait un couac, j'ai peur qu'il y ait un échec à la clé, j'ai peur que tout s'effondre, j'ai peur que... En fait, tu mets tellement d'espoir en cette chose. Moi, vraiment, je le vois comme ça, hein. Je le ressens comme ça. Tu mets tellement d'espoir. Tu as tellement mis tout ton amour, j'en sais rien, mais tu mets tellement d'espoir en cette chose que du coup, ça crée une réelle pression, une réelle angoisse, parce que tu te dis que, ok, j'y vais, mais si j'y vais et que ça ne marche pas, là, je retourne à la case zéro, à la case départ. Et là, je me retrouve sans rien. C'est simple, enfin, c'est imagé, mais tu vois ce que je veux dire. Mes rêves, mes espoirs, mes envies, tout s'effondre. Donc du coup, qu'est-ce que ça crée? Bah, ça crée une réelle peur, une peur de l'échec. Et donc quand on a cette peur de l'échec, eh bien on peut se mettre en position figée, procrastiner et ne jamais oser y aller. Et alors ça c'est un gros problème. Et je pense que tu peux être un peu dans cette énergie-là. Sauf que ici, vraiment, les cartes, elles se veulent très rassurantes. Elles sont en train de te dire, tu ne te plantes pas. Il n'y aura pas d'échec, des difficultés, oui, probablement, parce que bah, ça fait partie du chemin, sinon ça serait quand même trop facile. Mais pour autant, il y a une certaine fluidité. Bah oui, hein, quand on se connecte à son chemin, qu'on est fait pour ça, les amis, même s'il y a de la difficulté, il y aura la réussite à la clé. Et il y aura surtout un épanouissement. Alors là, très clairement, avec le monde, c'est un grand oui. Le monde, ils te disent, enfin, le monde, ils te disent n'importe quoi. Le monde te dit, c'est un grand oui, c'est un accomplissement, c'est une réalisation, c'est une mise au monde très bénéfique, prospère, qui va t'apporter tant de choses et notamment beaucoup de bonheur et de joie. Ici, on peut être sur un bonheur matériel, on peut être sur un bonheur familial. En tout cas, on est sur de la joie. On est sur de la festivité, sur de la joie et sur quelque chose de solide. On est sur du solide, les amis. C'est-à-dire que cette chose-là que tu es en train de créer, c'est quelque chose qui va te donner tout au long de ta vie. Voilà. Donc les amis, ça peut être une naissance bah, au sens propre, un enfant probablement. Ça peut être ça pour certains, mais en fait c'est un enfant comme ça peut être par exemple un bébé. Par exemple tu crées un, je sais pas quoi, t'as un projet de vie, un projet professionnel. C'est comme ton bébé quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est ton bébé. Et ce bébé-là, tu l'as porté, tu as mis tout ton cœur, tout ton amour. Et là, il est temps, en fait, qu'il y ait cette naissance, qu'il y ait cette mise au monde et que tu puisses en profiter. C'est un peu le message que le temps d'attente a trop duré, en fait. Regarde ce que tu as derrière. Roue de fortune, la chance. C'est quand même une confirmation que tu es sur une destinée ici. Cette chose-là fait partie des grandes lignes de ta vie. C'est écrit, tu vois. On peut le dire comme ça. C'est écrit. Tu dois le vivre. En tout cas, tu dois, c'est peut-être un peu fort, mais... Tu sais, oui, non, c'est quelque chose que tu dois expérimenter et vivre, n'en doute pas. Là, roue de fortune, on a quand même une notion de timing divin. Pour moi, on y est, les amis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus reculer. Mais pas de panique, parce que, encore une fois, pour moi, les choses sont en train de se mettre en place quand même tranquillement. D'accord? Même si là, on voit qu'on y arrive. Bon, non, mais As d'épée. Non, mais attendez, les amis. As d'épée, inspiration. Exactement. C'est quelque chose qui t'appelle, c'est quelque chose qui... ça t'inspire, c'est une aspiration, c'est... Tu aspires à ça, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... c'est plus fort que toi. Autant au départ, c'est quelque chose qui pouvait être seulement une peur et tu pouvais te dire, ah non, moi jamais je pourrais.
Je me vois pas. Je me vois pas faire ça. Je me vois pas être ci. Je me vois pas incarner ça. Je me vois pas réaliser ça. Parce que c'était une peur. Et maintenant, et ouais, maintenant tu dois faire face à cette peur parce que, eh ben ouais, tu t'y sens attiré. C'est-à-dire que ce chemin jusque-là que t'as voulu éviter, surtout pas y aller, ah! Bah là, l'étau se resserre et finalement, très clairement, bah, ce chemin, il n'arrête pas de se présenter à toi. Ah! Ah! Tu peux ressentir le... Ah! Ouh là là! Bon, j'ai plus trop le choix parce que finalement, j'ai plus qu'un chemin qui se présente. Bon, alors, si j'y vais pas, bah, ça veut dire que je stagne. Je bouge plus. J'avance plus. C'est comme si c'était un passage obligé. On te disait, allez, tu passes par cette voie-là, d'accord? Tu prends ce chemin-là, de toute façon, t'as pas le choix, il n'y en a pas d'autre. Donc tu y vas. Les amis, j'ai l'impression que c'est un peu ça, hein. L'étau se resserre. Et regardez quand même, nouveau départ. Waouh, et 8 de coupe avancée. Non mais c'est pas dingue. Et encore l'équilibre. Là, les amis, le tirage est très parlant quand même, hein. Le 8 de coupe, les amis. Et ouais, avancée. Je trouve que c'est un mot qui... est parfait pour le 8 de coupe, il est l'heure d'avancer. Il est l'heure d'avancer et d'avancer vers quoi? Bah vers cette peur justement. Et ouais, alors là les amis, courage. Le fou, ici c'est la folle, le départ. Le fou, c'est le saut de la foi. C'est-à-dire que, allez c'est bon, j'arrête de réfléchir. Je pense que là clairement, Scorpion, vous avez assez réfléchi, hein? Vous êtes assez torturé, d'accord? Ça suffit maintenant, parce que de se torturer l'esprit comme ça n'amène qu'une chose, hein. Des craintes encore pires, des peurs, n'en parlons pas, qui ont pris une proportion énorme. T'as aggravé ta peur en fait, tu vois. Donc là, très clairement, il faut que tu avances au jour le jour, que tu te dises, ok, apparemment, la vie, là, très clairement, parce que là, les amis, il faut que ça vous parle, la vie est en train de t'amener vers ce chemin-là. Tu vois, t'y conduire. Et t'as cette contradiction en toi qui t'indique qu'effectivement, si tu ressens cette contradiction de je veux y aller, mais en même temps, ce truc-là me fait peur, pour X raisons, ça dépend de chacun, et de ce vers quoi tu veux aller, bon, bah, le message est pour toi. C'est-à-dire que tu ne te plantes pas de chemin. C'est que cette chose t'appelle et pour une raison. Tu dois l'expérimenter et le vivre. Bon, les... Oh! Non, attendez, faut... non, mais attendez, les amis, je continue quand même parce que. Équilibre, et regarde. 5 de bâton conflit. C'est un vrai conflit intérieur. Pour moi, c'est un conflit intérieur qui peut se manifester forcément aussi à l'extérieur. Mais t'as un espèce de conflit comme ça. Waouh, c'est incroyable. Et vraiment, oh, je ressens une pression intense, vraiment dure même, je dirais, une pression comme ça, pff, qui te plombe comme ça. J'ai l'impression que tu t'en fais toute une montagne, tout un monde de ce truc-là. Alors que ce qui est fou, c'est qu'en réalité, ce truc-là, c'est comme si une fois que la naissance allait être là, tu allais te dire, mais oh, pourquoi j'ai eu si peur? Pourquoi j'ai eu si peur? Pourquoi je me suis fait tout un monde de ce truc-là? Pourquoi dès que je voulais y aller, je freinais, je pilais, vraiment je freinais des quatre fers comme ça. Alors qu'en fait, c'est génial. C'était fait pour moi. Je suis épanouie. On est sur ça, les amis, quand même. Ok. La femme, alors, moi, ça me parle dans le sens où pour moi, il y a cette idée de création, de créativité et d'intuition. C'est-à-dire que vraiment, c'est quelque chose que tu souhaites créer, que tu souhaites voir cette mise au monde. Bon, je vais dire mise au monde, tout dépend de ton projet. Bref, tu remets ça à ta situation. C'est très lié à ton intuition, c'est-à-dire que c'est un appel du cœur. Donc, ne cherche pas 10 000 explications. D'accord? C'est un appel du cœur. Maintenant, tes peurs, tu peux peut-être trouver l'origine. Pourquoi j'ai si peur? Qu'est-ce qui me fait réellement peur? Et peut-être, tu sais, des fois, moi je trouve que de noter, d'écrire, on y voit plus clair. Par exemple, tu dis, ok, j'ai peur de ça. Pourquoi j'ai peur? De quoi réellement j'ai peur? J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. J'en sais rien, je te dis n'importe quoi, moi. J'ai peur des jugements, j'ai peur des critiques.
J'ai peur de l'échec. J'ai peur de voir mes rêves complètement anéantis. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur d'avoir mal. J'ai peur de souffrir. Je ne sais pas. J'ai peur de manquer. Quelles sont tes peurs? C'est bien des fois de les noter parce que tu sais, des fois c'est en brouhaha dans notre tête, là, dans notre esprit. On a vraiment du mal à être clair, à être au clair avec ses peurs. Et le fait de prendre le temps de se poser vraiment et de dire ok, là je vais déjà affronter mes peurs sur le papier. Et oui les amis, c'est la première étape. Je vais affronter mes peurs sur le papier, je vais les noter ces peurs-là. Puis après, je vais bien les observer, ces peurs-là. Puis je vais me dire, ok. Puis je vais, hop, allez, hop, faire une petite flèche, là, comme ça. Alors, j'ai peur de ça. J'ai peur de la critique. Bon, ok. Tu peux faire des petites recherches, peur de la critique, comment travailler dessus, j'en sais rien. Puis tu mets une petite flèche, puis tu te dis, comment je peux résoudre cette peur? Bah, par exemple, peur de la critique, peur du jugement. L'avis des autres, AVIS, n'est finalement que l'avis, LA plus loin, VIE, des autres. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où finalement c'est leur avis, c'est leur croyance, c'est leur peur à eux, pas la peine que je les prenne pour moi en fait. Ils pensent ça, ils pensent ci, bah en fait c'est lié à eux. Moi, j'ai pas envie d'avoir leur peur, d'avoir leurs avis négatifs à ce sujet-là. Donc moi, je vais vivre ma vie par rapport à moi, par rapport finalement à ce qui me plaît moi. Et si je fais ce que j'aime, si je le fais avec amour et sans finalement, moi je dis qu'à partir du moment où on fait les choses avec le cœur, avec amour, qu'on aime ce que l'on fait et qu'on fait les choses en respectant bien évidemment le bien-être des autres, bah pourquoi se priver en fait? Puisque pour moi la clé d'un épanouissement est là où on fait ce que l'on aime, où on prend plaisir. À partir du moment où ça n'atteint pas les autres négativement, où est le problème en fait? Si ça les dérange juste parce que eux ont des peurs, sont jaloux ou je ne sais quoi, c'est leur problème, hein. Donc les critiques, les jugements, allez hop, la peur du jugement, paf, balayé, rayé. Et ainsi de suite, tu vois. Fais ce travail-là. Vraiment, tu vas voir, ça va t'aider. Et je sais pas pourquoi, j'ai une idée aussi de ce qui pourrait te faire du bien, hein. Peut-être tu pourrais libérer des croyances limitantes parce qu'il peut y avoir des croyances forcément limitantes tant qu'ils sont liées à ces peurs-là. Donc peut-être que tu peux faire des soins. Ça peut être simplement par toi-même avec des méditations. Ça peut être, tu vois, dans tes méditations, tu vas te projeter dans cette vie-là, mais vraiment en t'efforçant de ne voir que le positif, tu vois. Et peut-être qu'il y aura le négatif qui va apparaître, mais tu vas le balayer pendant ta méditation, tout de suite en le remplaçant par ah bah non, paf, je vois la situation plutôt du regard positif. Tout va bien se passer, tout va bien se mettre en place, comme je veux. Et voilà, et plus tu vas faire ce travail-là, plus tu vas te sentir bien et apaisé finalement. Pas de crainte à avoir au final. Il faut que tu arrives, moi je dirais, à réinverser la vapeur dans le sens où ton mental a pris trop de place. Et le mental est lié aux peurs. Aux peurs, aux inquiétudes, bon bref, lui, c'est une vraie drama queen, hein, le mental en tout cas. Il faut essayer un petit peu de le calmer en fait, tout simplement. Et plus tu vas projeter du positif là-dessus, et plus tu vas te sentir bien quand tu y penses, plus tu vas voir que ça va être un automatisme. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu vas imaginer cette mise au monde là, quelle qu'elle soit, positivement où tout va bien se passer, plus ça va être un automatisme et les pensées un peu négatives récurrentes, elles vont finir par s'évaporer en fait. Donc c'est tout un travail intérieur, hein, les amis, un cheminement intérieur à faire. Mais tu en es largement capable. D'accord? Tu en es largement capable. Et je t'invite aussi, moi je te dis tout ce qui me vient, hein, je t'invite aussi à te rapprocher de personnes qui ont déjà expérimenté ça. Forcément des personnes qui sont passées par là avant toi. Rapproche-toi de ces personnes-là, que ce soit parce que tu les trouves sur YouTube, des personnes qui ont témoigné de leur expérience, que ce soit peut-être des membres de ta famille, des amis, je ne sais pas, mais parle. Parle de cette chose-là. Si tu as besoin d'avoir les retours, les avis des uns et des autres, c'est bien. Mais par contre, attention, entoure-toi de personnes positive, d'accord? Pas de personne, parce que ça peut être le couac, hein.
Tu t'es entouré de personnes qui avaient des craintes, des peurs, qui ont échoué ou que sais-je, et qui t'ont vraiment filé toutes leurs peurs, leurs échecs sur le dos. Non, les amis, parce que tu n'es pas ces personnes-là, d'accord? Toi, ici, on t'annonce bien un succès, un épanouissement, une réussite. D'accord? Trahison. On va recouvrir, mais moi, je pense comprendre. Ben voilà, force. Tu en es capable. C'est exactement ce que je viens de te dire. Tu en es capable. Ton mental, tes peurs, la peur des autres, je ne sais pas. Tout ça, ça te trahit. Bah bien sûr. C'est-à-dire que tes propres peurs sont en train de t'indiquer un mauvais chemin, sont en train de te dire n'y va pas, ça craint, ça fait peur, aïe aïe aïe, on va pas se sentir bien, tu vas nous mettre dans une mauvaise position, tu vas nous mettre dans la galère, n'y va pas. Tu vois ce que je veux dire? Ton mental est en train de... Comment on va dire ça? Tes émotions te trahissent, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Pour moi, tes émotions de peur, de crainte, d'angoisse, de stress, de panique, de doute, tout ça, c'est en train de trahir ton cœur, ton âme, en fait, ce à quoi tu aspires réellement. Ça te détourne de ton chemin. C'est un peu l'idée de se mentir à soi-même, finalement. On te trompe, on te ment, on te manipule. Tes émotions, tes peurs, tes blessures, ton mental est en train de te manipuler. Il te fait croire que tu n'en es pas capable, alors que regarde ça. Cette carte-là, elle te dit que tu as la force, la capacité, que tu es largement capable, et bien plus que tu ne le penses, d'accomplir cette chose-là, d'assumer et de vivre pleinement et d'une façon épanouie. Bien au contraire, justement. Tu es fait pour. Mais oui, tu es fait pour vivre ça. Donc ça serait vraiment te priver d'un bonheur, de tourner le dos à cette chose que tu désires tant, mais en même temps qui te fait peur. C'est pas facile, les amis. Enfin, moi, je comprends tout à fait le message parce que vraiment, je le ressens. J'espère que vous comprenez. En réalité, c'est pas compliqué, hein, très clairement. C'est un désir que tu as, mais qui est bloqué par des peurs. Du coup, ça te fige, ça t'empêche d'aller goûter à ce bonheur. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, là, on te demande de dépasser ça et tu en es largement capable. Ah bah alors là, l'argent. Et je t'explique même pas la joie intense que tu vas ressentir quand tu vas avoir relevé le défi. Parce que moi, je te le dis ici, ami Scorpion, le défi, tu vas le relever. Maintenant, tu as ton libre arbitre. Donc c'est toi qui vois. Soit tu restes figé par tes peurs et tu restes chenille. Soit tu décides d'affronter cette peur. Tu laisses parce que, en plus, pour moi, les amis, avec une roue de fortune, le monde, j'ai vraiment cette idée qu'en réalité, t'as plein, plein, plein de signes et de synchronicité et qu'en fait, la vie, elle te pousse à y aller. Mais toi, t'es là, t'appuies sur la pédale de frein comme ça, tu freines. Mais non, c'est plus l'heure de freiner, c'est l'heure d'y aller. Tu avances, fais confiance. Mais vraiment, fais confiance. L'union. Il y a une rencontre, les amis. Il y a quelque chose vraiment en préparation. Oh, ouh là là, les amis. J'ai encore trop parlé. Mais c'est un truc de fou, hein. Je sais pas, je sais pas. L'automne. Oh, ok. Attendez, on va voir. Parce que là, je pourrais avoir la notion de lâcher prise, justement. À l'automne, les feuilles tombent. L'arbre, il lâche prise, lui, hein. Très clairement. Il sait que c'est l'heure que les feuilles tombent. Il ne les retient pas. Il laisse. Parce qu'il sait que autre chose l'attend derrière. Et avec ce 8 de coupe, on est aussi dans une forme de lâcher prise. Hein. C'est-à-dire que là, j'arrête de lutter clairement pour surtout, surtout, surtout ne pas aller vers cette voie-là. Surtout, surtout ne pas me laisser tenter. Bah si, si, en fait. Laisse-toi tenter peut-être. Laisse-toi complètement tenter, j'ai envie de te dire. Et attention, encore une fois, c'est une chose positive. Hein. Parents, alors là, je vais te dire une chose qui me parle direct. Attendez, les amis, je bois un coup. J'ai plus
J'ai plus de salive là, je suis transportée par votre message. Sais ce que ça me représente ici? C'est vraiment l'idée. Bah, tu sais, c'est marrant parce qu'on parle de naissance et de mise au monde depuis tout à l'heure. Pour moi, c'est comme si tu allais devenir parent. Alors, peut-être qu'effectivement, c'est parce que. Attention, pour certains scorpions, c'est peut-être vraiment ça. Ton vrai défi de vie, je ne dis pas que ce... parce qu'attention, quand on est sur des défis de vie majeurs, c'est quand même quelque chose, ça s'appelle pas défi pour rien. C'est-à-dire que tu peux avoir des difficultés, bon bah là on l'a bien évoqué, hein. Mince, je sais plus ce que je voulais dire. Bon bref, en gros ça peut être vraiment ça ton défi, c'est de devenir parent parce que voilà, tu souhaites devenir parent, voilà, accueillir un enfant, mais en même temps c'est un vrai défi pour X raisons dans ta vie. Et pareil, symboliquement, tu deviens le parent d'un projet de vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose, dans le mot parent, tu as la protection, tu as la bienveillance, c'est quelque chose, tu prends soin, c'est quelque chose, il y a plein d'amour autour de ça. Donc, on va faire plus large les amis, après vous prenez en fonction de vous. Mais c'est quelque chose que tu as dans le cœur, c'est un projet de cœur, c'est un projet de vie, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui t'anime au plus profond de toi, mais en même temps, c'est ta plus grande crainte. Et ta crainte de ne pas être à la hauteur, ta crainte d'échouer, ta crainte de ne pas réussir, ta crainte aussi peut-être de ne jamais avoir accès à cette chose-là. Donc pour certains, ça peut être un enfant, ça peut être la création d'une entreprise, la création d'une activité, un projet de vie. Projet de vie, ça peut être plein de choses, hein, voyager, déménager, construire quelque chose en particulier. Ça peut être aussi le sentimental. Eh oui, un défi de vie majeur, ça peut être réussir sa vie sentimentale, rencontrer une personne avec qui, voilà. Tout se passe bien. Bref, en tout cas, c'est quelque chose que tu couves. C'est un espoir. C'est un rêve que tu couves. Un désir. C'est plus. C'est. Mon rêve, je sais pas. C'est un désir. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui a besoin de naître à l'heure d'aujourd'hui. Vraiment. Tu as besoin de le vivre et de relever ce défi. Donc là, les amis, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Hein. D'accord? C'est important. Le soleil, magnifique. C'est un grand oui. Encore une fois, c'est un grand oui. Donc là, les amis, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Il y a vraiment de nouveaux horizons qui arrivent là. C'est quelque chose. Pour moi, il y a l'avant et l'après. Hein. Il y a la chenille et le papillon, là, très clairement. Et je peux vous assurer que l'émotion que vous allez ressentir à la naissance de cette chose. Elle est immense, elle est intense, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Quand on relève un défi de vie majeur, il n'y a pas de mots. Il y a une élévation de l'âme, il y a une ascension dans ta vie terrestre, et il y a une joie, il y a un bonheur intense. C'est quelque chose qui va t'apporter tout au long de ta vie. Et là, quand tu auras cette victoire, cette réussite, tu auras relevé ce défi, cette naissance incroyable, tu vas la chérir, mais vraiment toute ta vie. Et tu vas même, et tu peux même te dire, je sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais tu sais, tu peux même te dire, quand tu vas vraiment avoir cette chose, cette mise au monde, te dire, mais pourquoi j'ai autant attendu? Pourquoi j'ai eu finalement si peur d'oser le faire, d'oser y aller? Pourquoi je me suis mis tant de limites, tant de barrières? Lâchez le pourquoi, les amis, en fait. Tu l'as fait, c'est tout ce qui compte. T'as réussi, bravo. Voilà, bravo. Et puis, tu sais, il y avait une question, je dirais, de timing divin. Donc là, les amis, il y a une illumination, il y a une révélation. Waouh, il y a une explosion de joie. Hein. Il y a une explosion de joie. Parce qu'il y a un accomplissement. Oh, purée, j'adore. Non mais comme quoi les amis, on est vraiment sur le message quoi. Petit test ennui. Petit test dans le sens où tu sais, on te teste. Bah oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on est sur un défi de vie, l'univers te teste. Bah oui, forcément. Donc c'est un test en fait. Hein. Tu sais, la vie en fait, elle nous teste. Hein. On a des petits défis mineurs. Bon, souvent ceux-là, on les relève assez facilement.
Et alors certains ont un grand défi majeur, certains deux, je sais pas si ça peut aller jusqu'à trois peut-être, je ne sais plus les amis, mais je sais qu'il y en a qui en ont moins que d'autres. Souvent c'est deux je crois, des fois il y en a qui n'en ont qu'un. Et alors ceux qui en ont plus, bah pff, bon courage, hein. Enfin bon courage et en même temps c'est une chance parce que ça te permet mais d'évoluer, je t'assure, waouh, enfin, avec une force incroyable. Donc ici c'est une confirmation vraiment que tu rentres dans un défi majeur de ta vie. Donc ça va te demander du courage, ça va te demander de te dépasser, de te surpasser. Mais enfin le résultat les amis, le résultat il est au-delà de vos attentes, vraiment au-delà de vos attentes. Vous n'êtes pas prêts les amis à cette joie et à ce bonheur, je vous assure. Et là on te dit je vois chaque situation avec amour, voilà. On te dit vraiment de voir cette situation du côté lumineux plutôt que de te faire un sang d'encre, de paniquer autant. Pas de panique puisque finalement c'est sur ton chemin. Ça veut dire que tu es capable de relever, de le relever ce défi. Largement. T'as eu la force en plus. Arrête, ne doute plus de toi. Franchement, là je trouve que l'univers est adorable de vous apporter ce message parce que ils te donnent un coup de pouce, ils sont en train de te rassurer, de te dire mais t'inquiète pas, ça se trouve là, tes guides sont en train de te voir vraiment pas bien en te disant que tu vas peut-être jamais avoir cette chose-là, que t'as trop peur pour la réaliser. Et ils te disent mais non, mais attends, c'est sur ton chemin, tu en es capable, tu vas y arriver. T'inquiète, tes peurs, tu peux largement les dépasser. Peut-être que tu peux. Non, mais alors là, les amis, excusez-moi. Non, mais l'univers est adorable avec vous, là. Un avenir réjouissant. C'est exactement ce qui t'attend. Je remercie pour tout ce que j'ai et tout ce qui m'attend. Les amis, vraiment, ce qui vous attend, là, je vous le dis, il y a quelque chose qui arrive à votre rencontre, hein. C'est une naissance. Quelle est cette chose? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une création? Est-ce que. Je ne sais pas ce que c'est, mais cette chose qui arrive à vous. Elle va vous apporter tellement de joie et de bonheur, vraiment. Elle va venir illuminer votre avenir. Moi, un tirage comme ça, les amis, j'adore, hein. Ça vous demande, bien évidemment, un travail intérieur, on est d'accord. Mais les amis, non mais les amis, vous-même, vous savez, les amis. Oui, Scorpion, je sais que c'est dur, hein. Voilà, on est très... les Scorpions... Souvent peuvent être très tourmentés, hein. C'est vrai, hein, il faut le dire, hein. Très tourmentés, bon voilà, à se faire des peurs, mais souvent en fait qui prennent des proportions mais incroyables. N'hésite pas à te faire, à t'entourer de personnes, tu sais, extrêmement positives et rassurantes, ça va vraiment t'aider, je t'assure. C'est pour ça quand je te dis que tu peux peut-être trouver des personnes qui ont de l'expérience, qui ont déjà vécu ça et qui te rassurent, ça c'est un point positif pour toi, vraiment. Ça peut être ta famille, tes parents aussi, hein, qui t'accompagnent dans cette réalisation. Mais vraiment, n'abandonne pas parce que tu te sens attiré de plus en plus par ça. Et pour moi, tu as plein de signes de synchronicité, de heureux hasard que toi, tu peux un peu voir en mode oh, « Oh non, ça y est, c'est l'heure, faut que j'y aille ». Oui, ça va t'apporter la libération après. C'est ça qu'il faut que tu vois en fait. Oui, au début, bah ouais, faut que tu y ailles. Donc, faut que tu t'engages sur cette chose qui pour toi est désagréable. C'est pas un bon moment à passer pour X raisons. J'en sais rien. T'aimes pas ça. Ça te met pas à l'aise. Mais écoute, vas-y, fais-le parce que après, je t'assure que tu vas être tellement heureux. Oh, mais tellement heureux. Enfin, il n'y a pas de mots, quoi. Et en plus, tu vas être super fier. Fier d'avoir dépassé tes peurs, tes craintes, tes angoisses, et que sais-je, tu vois. Mais fais-toi accompagner par qui tu veux. Ça peut être aussi par un thérapeute qui t'accompagne pendant cette traversée, pendant ce voyage. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu pars en aventure, là, cher ami Scorpion, vraiment. Mais tu sais que le résultat au bout, il est bénéfique, hein. T'as que des cartes ultra positives pour ce qui t'attend. Donc, pas de panique. Pas de panique. Et au contraire, j'ai l'impression qu'on te demande d'aborder ce chemin avec un peu plus de sérénité, de paix, de calme. Oh,
Les amis, une heure qu'on est ensemble. Oh là là, Jessie. Non, mais là, il va falloir que je vous abandonne, les amis. C'est pas possible. Ah, le créateur d'obstacles. Tiens donc. Vos relations génèrent parfois des obstacles très douloureux. Faites attention, justement, encore une confirmation, aux personnes que vous côtoyez en ce moment. Puisque vous êtes à un moment clé de votre vie, si vous vous entourez, et oui, parce que tu sais, l'univers te teste aussi, hein, forcément. Donc des fois, il peut appuyer sur tes peurs. Donc te faire rencontrer des personnes, ou bref, tu vas avoir des personnes qui vont te dire « Ah, je connais un tel. » De toute façon, ça tombe tout le temps des personnes comme ça. « Ah, je connais un tel. Oh là 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 là. Ce qu'il a vécu, ça a été affreux, abominable. Il a échoué, il n'a pas réussi, il a tout abandonné, il a tout perdu. » Enfin, scénario catastrophe par rapport à toi, ce que tu désires. Enfin, sur cette voie que tu veux emprunter. Mon Dieu. Fuyez ces gens-là. Vraiment, mais fuyez. Et plus vous allez les fuir, parce que tu sais, l'univers est malin. Je te rappelle une chose, l'univers te renvoie toujours ce que tu lui envoies. Donc si tu lui envoies des craintes, l'univers, qu'est-ce qu'il fait? Allez hop, c'est comme un partenaire de tennis, l'univers, faut le voir comme ça. Tu lui renvoies une balle noire, bah lui te renvoie une balle noire, mais pas qu'une. Il t'en envoie 10. Et ces balles noires, ça va être le reflet de ce que tu lui as envoyé. Donc si t'as peur de peur du jugement, peur des critiques. Ah, bah des critiques, attends-toi à en avoir plein. Ah bah l'univers te teste. Tu as peur des critiques, attends, je t'en envoie. Tu vas voir. Tu vois? Donc, si tu lui attires par contre, si tu lui envoies de la confiance, si tu lui envoies « Moi, j'ai envie que les choses se passent comme ci, comme ça. » Bref, des choses lumineuses, bah lui va t'en envoyer plein. Donc, il va t'envoyer des personnes eh bien, qui ont vécu une expérience, cette expérience avec que du positif, qui ont des conseils à te donner, qui vont enrichir ton voyage. Et tu vas vivre cette naissance avec vraiment énormément de sérénité. Au contraire, je te le répète, mais si tu lui envoies des balles noires à l'univers, hop là, eh bien, il va t'en créer des obstacles. Hein. Et il va t'envoyer des personnes qui, au contraire, vont te plomber, vont te faire peur. Tu vas encore avoir plus de peur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, cher ami, fais gaffe. Et vraiment, dès que tu vois que c'est un truc, tu te dis, oula, ça c'est moi qui me le suis envoyé. Ok, oui, d'accord. Ah ouais, ok. Bon, ben, en fait, je veux pas le savoir. Vous savez, moi, souvent, quand des gens commencent à me faire un récit comme ça, oula, j'aime pas du tout. Je dis non, mais en fait, non, mais excuse-moi, mais je veux pas le savoir. Vraiment là, je préfère ne pas le savoir. Excuse-moi, mais ça va pas me. Ça m'a. Ça, bref, ça va pas me faire de bien. Au contraire, donc garde ça pour toi, s'il te plaît. Je ne veux pas le savoir. Voilà, n'hésite pas à couper les gens dans leur élan, en fait. Ou vraiment, si tu regardes un truc. Ouh là là, ça te plombe, ça te fait peur. Allez hop, tu éteins, tu ne regardes pas. D'accord? Entoure-toi de positif. S'il te plaît, ami Scorpion. Ok? Pour pouvoir relever ton défi majeur de vie avec plus de simplicité et de fluidité. Ok? Ah, ça, la nature, ça peut te faire du bien. Imprégnez-vous de la beauté de la nature, oui. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Oui, moi je dis oui. La nature ne peut pas te décevoir, la nature ne peut pas te faire de mal. Au contraire, elle est pleine de bonnes énergies pour toi et tu vas en avoir besoin pour ce défi, d'accord, qui se présente à toi. Mais je répète, c'est un défi qui fait partie de ta vie, de ton histoire, et que tu vas relever haut la main. C'est un défi où au bout t'attends une naissance, ou en tout cas l'arrivée de quelque chose extrêmement positif. Allez, donc les amis, vous avez besoin de prendre du temps pour vous et de vous ressourcer. C'est très, très, très important. Entoure-toi de beauté et de positif pendant cette période. Parce que, imaginons, tu as envie de lancer ton entreprise dans, je te dis n'importe quoi, en tant que fleuriste. Je te dis n'importe quoi. Et le truc, c'est que toi, tu t'entoures de personnes qui ont lancé un projet, qui ont foiré. Tu demandes des avis
à d'autres enfin d'anciens fleuristes ou j'en sais rien moi, qui te disent oh là 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 là, c'est une vraie galère, on s'en sort pas, je te conseille pas, enfin j'en sais rien. Fais gaffe, d'accord? Entoure-toi vraiment de positif. C'est hyper important. Donc entoure-toi de personnes qui ont réussi, d'accord? Qui vont te tirer vers le haut. C'était un exemple, hein, bien évidemment. Si vous avez, on peut prendre l'exemple des parents. Si vous avez envie de devenir parent, parce que c'est un défi de vie, pour X raisons, je ne sais pas. Par exemple, si tu es une femme, regarde des trucs positifs, d'accord, sur la grossesse, et ne va pas te blinder de peur en regardant des récits tristes, réels, oui, parce que ça arrive, ça fait partie de la vie, mais tristes qui vont te plomber en fait. Il ne faut pas t'approprier l'histoire des autres, hein. Ça c'est hyper important, comme les autres n'ont pas à s'accaparer ton histoire en te plombant de attention, il peut se passer ci, il peut se passer ça. Stop, ok? Stop, chacun son histoire. Mais là c'est un conseil, donc moi je vous donne le conseil que je ressens avec les cartes. Entoure-toi d'ondes positives. Tu en as besoin parce que de nature, tu es inquiet et angoissé. Donc, très clairement, fais gaffe à ça, tu vois ce que je veux dire. Allez, nos amis scorpions. Et après, je vous laisse, les scorpions. Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Les amis, si c'est pas... franchement, si c'est pas un message de fin là, franchement, oh mais j'adore. En fait, on te dit quoi? On te dit arrête de te trouver des excuses pour retarder les trucs. Et aussi, tu sais, de blâmer l'extérieur. On le fait tous, hein. Des fois, tu sais, on a envie de se déresponsabiliser d'un truc et puis on se dit, ouais, c'est la faute à un tel, c'est la faute de la banque, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Puis c'est jamais notre faute en fait si les choses ne marchent pas, tu vois? C'est un peu ça. Mais parce que ça nous fait du bien au moral, ça nous soulage de se dire c'est pas de ma faute si ça marche pas, tu vois. Ça soulage. Sauf que là, on te dit, écoute, à un moment donné, tu arrêtes de trouver des excuses à tout va, ok? Donc tu arrêtes de te mettre en position de stagnation et de procrastination, ami Scorpion. Stop, 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 parce que de toute façon, là, la vie bientôt, elle va te dire là, t'as plus de choix, ok? T'as plus d'excuses, t'as une voie, c'est l'heure. Allez hop, tu y vas. Et on te dit ici donc d'arrêter de subir les choses et de te positionner en victime, entre guillemets, mais plutôt de dire, allez hop, c'est bon, je reprends les rênes en main et je vais être acteur de ma vie et je vais participer à la création de ma destinée. Encore une question de destinée, les amis. Alors moi, je vous le dis, ne doutez plus, travaillez sur vos peurs, puisque elles sont la clé finalement, travaillez sur vos peurs. Et osez vous lancer, les amis, avec confiance, avec foi. Parce que ce qui vous attend, ce n'est que pur bonheur, joie. Et c'est quelque chose en plus qui va durer dans le temps, pour moi, tout au long de votre vie. Il y a un accomplissement à la clé, et c'est quelque chose que vous devez vivre, puisque c'est quelque chose qui est marqué sur votre chemin de vie. Voilà. Les amis, quel tirage quand même, quel tirage. Je le trouve très beau, je le trouve rassurant, réconfortant. Waouh, et vous êtes quand même à l'aube d'un nouveau jour, d'un nouveau vous même, je dirais, d'une nouvelle vie. Allez, pour les scorpions, on regarde la partie sentimentale, relationnelle, pour ceux que ça intéresse. On va regarder le message pour vous, les scorpions, au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? On a le lys, on a le livre. Oh, le jardin. Il y a quelque chose que l'on peut garder secret, les amis. Les amis scorpions, j'ai l'impression qu'on garde quelque chose secret encore pour l'instant. On a du mal à vouloir, à réussir à le partager avec les autres, avec l'extérieur. C'est quelque chose pour l'instant, voilà, on est un petit peu, je sais pas, on est un petit peu peut-être timide, on n'a pas trop envie pour l'instant de le dévoiler aux autres, on veut le garder pour soi. C'est quelque chose pourtant de très pur, de très sincère, de très joli, de très beau ici. Il peut vraiment y avoir la naissance, l'arrivée de quelque chose vraiment qui sera joyeux en fait. Hein. Moi je vois beaucoup de joie ici, mais pour l'instant on n'a pas envie de le partager trop avec les autres, c'est un peu secret quand même. Donc ici on peut être sur un projet vraiment de couple hein, tout simplement, ou alors
c'est quelque chose de personnel où les membres vraiment très voilà qui t'entourent mais ton cercle intime est au courant, mais pour l'instant, c'est quelque chose vraiment que tu gardes pour toi. Ok, qu'est-ce que l'on nous dit? Avec la clé, quand même, on est sur quelque chose qui apporte un vrai bonheur. Oh, la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. Ok pour les scorpions. La jeunesse, ok. Il y a la naissance de quelque chose, hein, les scorpions. Il y a l'arrivée, la naissance de quelque chose. Ok, repli sur soi, isolement. Alors attendez. Être blessé et souffrir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le passé qui revient. J'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose où vraiment vous attendez, comme si vous attendiez le bon moment pour le mettre en place, pour le faire. Alors ici, on a la jeunesse, donc ça peut être l'arrivée d'un enfant pour certains, ça peut être l'annonce d'une grossesse pour d'autres. Alors attention, parce que moi, tout ce qui est santé, grossesse, ici, on est sur un tirage général, les amis, faites preuve de bon sens, de discernement, d'accord, c'est important. Pour certains, c'est vraiment un projet qui est en gestation, mais c'est comme si on le remettait toujours à plus tard, à plus tard, à plus tard dans le couple. Et parce qu'on attend le bon timing, en fait, on attend d'être prêt, on attend que tout soit ok pour. Mais c'est quelque chose où, quand même, hein, ça crée un petit peu de tristesse, de peine, de peur aussi, hein, j'ai l'impression. Alors peur peut-être que ça ne fonctionne pas, que ça ne se réalise pas. Peur aussi, je sais pas, on dirait que ça vous fait en... Par moment, vous vous doutez, par moment, ça vous met dans de profondes angoisses par rapport à ce projet de couple. Pourtant, on voit bien que c'est quelque chose qui, je sais pas, qui a déjà été sur le tapis à un moment donné, j'ai l'impression, dans votre vie. Mais la vie a fait que, bah voilà, bref, vous êtes passé à autre chose. Et là, ça revient. Mais c'est comme si, justement, ça vous mettait plein de peur, quoi. De peur de peut-être revivre... Ah, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme si vous aviez déjà vécu ça, peut-être, par le passé, une situation un peu similaire, et que ça avait peut-être pas hyper bien fonctionné, parce que bah, vous n'étiez pas prêt, parce que c'était pas le bon timing, tout simplement. Il y a peut-être une peur que ça recommence, en fait. Mais moi, les amis, non, je vous sens prêt, en fait. Je vous sens prêt. Il y a peur de, il y a une peur de l'échec, il y a une peur que ce soit quelque chose de... qui ne dure pas dans le temps, qui ne soit pas concret, ou qu'on goûte un petit peu à ce bonheur-là, puis finalement, patatras, ça s'arrête. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ça. Et il y a peut-être des non-dits aussi dans le couple. On a peur de dire à l'autre vraiment ce qu'on ressent. Je ne sais pas, par rapport à ce projet. Mais écoutez, les amis, non, hein, sortez du non-dit. N'ayez crainte de vous confier à votre partenaire, d'accord ? Moi, je le vois plutôt positivement, finalement. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'une porte s'ouvre et que peut-être cette chose pour laquelle vous n'étiez pas complètement prêt ou c'était pas le bon timing avant, ça, c'est du passé. Là, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, vous êtes prêt. Donc, ne restez pas replié sur vous-même avec vos peurs, vos craintes à ressasser des échecs du passé. Parce que là, très clairement, moi, je vois plutôt que c'est de bon augure pour vous cette fois-ci. Pour les célibataires, j'ai l'impression que on se replie un petit peu sur soi, on se renferme un petit peu. Et il y a toujours cette peur d'être blessé à nouveau. Alors, peut-être un couple... Et célibataire, il y a eu de l'infidélité à un moment donné où on a été manipulé, trompé. Et ça, c'est quelque chose, on a du mal à passer au-dessus. Hein. Donc, ça pourrait des fois
développer chez vous certains comportements qui fait que ça vient un petit peu saboter ou influencer votre vie sentimentale en ce moment. Et on vous demande vraiment de dépasser ça, hein, c'est important, pour pouvoir profiter et savourer ce bonheur à l'heure d'aujourd'hui. Pour certains, c'est peut-être que vous avez débuté une relation, mais tellement peur que ça ne dure pas dans le temps que vous n'osez pas en parler aux autres, vous le gardez un petit peu secret. Ou alors, il y a une notion de secret par rapport à une personne. Alors, pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Mais comme si on n'arrivait pas à le dire, je suis avec cette personne, j'entretiens une relation avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de secret comme ça qu'on n'ose pas dire. Pourtant, moi, je vois cette relation très positive, hein, en couple ou célibataire. Vraiment. Donc, écoutez, les amis, prenez votre temps, s'il y a vraiment besoin de temps pour annoncer les choses, bah prenez votre temps, c'est important. Ça viendra quand ça viendra, j'ai envie de vous dire, hein. Mais il ne faut pas que ça vous fasse souffrir en fait de garder ça secret au bout d'un moment, tu vois. Il faut le dire, et peut-être que tu as quelque chose qui te tracasse, tu le gardes secret, essaye peut-être d'en parler avec les autres. Et tu auras peut-être les solutions, tu auras peut-être le conseil, l'aide dont tu as besoin pour dépasser cette crainte et enfin vivre pleinement cette chose qui vient vers toi, tout simplement. Voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous, vous apportera des confirmations, vous aidera sur votre chemin. Moi je vous souhaite plein de belles choses, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment, c'est très précieux pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.